qu'il n'aurait jamais invité, a déclaré la coach dans son direct. Le blogueur Chekechichu a publié un message en lui faisant des reproches. Avant Chin Caviar, tu nous dis qu'on était la durée de ton concept. Mais dans le même temps, tu dis que c'est un contrat qui a été signé, que tu dois respecter le contrat. C'était prévu dans le contrat, de à tout moment ton concept pouvait être dénaturé. Si oui, pourquoi tu te plains aujourd'hui? Sinon, pourquoi ne pouvais-tu pas refuser en même temps, puisque c'était pas prévu dans le contrat de recevoir certains invités, ou d'aborder certains thèmes qu'on t'impose, et qui répondent pas aux objectifs de l'émission? Quand on t'envoie, faut savoir t'envoyer toi-même. A déclaré le blogueur Chekechichu sur sa page officielle. L'influenceuse Vertigo et la nouvelle version a aussi demandé à la coach de prendre ses responsabilités. Quand une émission cartonne, on se donne les honneurs, mais quand ça cavorte, on cherche un coupable. Tu as vu que ton émission est devenue un échec depuis le passage de Peter 007, donc tu accuses aujourd'hui ton patron, que tu appelais affectueusement boss. Je t'avais prévenu que c'était la fin de ton règne, a déclaré l'influenceuse sur sa page officielle. Les internautes se sont exprimés sur cette polémique qui a terni un temps, soit pour l'image de l'émission à l'Ocaria. La télé est à utiliser, a déclaré Lily Lacroix. Aujourd'hui, tu as dit la vérité. J'ai pas compris sa sortie, elle aurait dû se taire. Elle a manqué de professionnalisme, a déclaré Sylvia Mao, concernant le poste de l'influenceuse, Vertigo et une version. J'ai aussi fait cette remarque depuis le passage du matou. Elle fait plus trop d'audience dans ses lignes 5e. A déclaré Vanessa Paradis.